Et nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure qui démarre sur la chaîne, une aventure que vous avez attendue, une aventure que j'ai moi-même attendue très impatiemment. En fait, pendant tout le mois de décembre, je me suis dit putain, j'ai envie de lancer Dark Souls, mais, je savais que j'aurais pas le temps parce que voilà, côté planning c'était trop chaud, et donc bah du coup j'ai préféré attendre un petit peu, et donc là nous sommes début janvier, il n'y a que très peu de jeux qui sortent ce mois-ci, donc c'est parfait, on a absolument le champ libre, et donc nous allons pouvoir voir ensemble Dark Souls version donc remastered, que je vais jouer donc sur la One X pour avoir du coup le jeu qui sera fluide, je l'espère en tout cas, et donc a priori une version du jeu qui est somme toute assez solide avec tous les DLC, ce que l'on fera bien évidemment donc dans ce live. D'ailleurs, je dis les DLC, mais est-ce que c'est pas le DLC? Je ne sais pas. Je ne me suis rien spoilé du jeu. On va pouvoir le découvrir ensemble. Le seul truc que j'ai un peu vu, c'était vite fait le début de l'aventure de MV. Mais après, j'ai pas voulu aller plus loin parce que je savais que je ferais le jeu, en fait. Et donc, du coup, voilà. On fait aujourd'hui Dark Souls 1. On fera un jour le 2. On fera un autre jour le 3. Est-ce qu'on fera le 3 avant le 2? Je ne sais pas. On verra bien. Ça dépendra vraiment de comment ça se passe avec celui-ci, de s'il a un petit goût de poussière ou pas. On va dire ça comme ça. Sachant que mon plus gros stress, là, c'est pas tellement la difficulté, parce que bon, bah, je sais que ça va être difficile, mais mon plus gros stress, c'est est-ce que je vais aimer le jeu? J'ai tellement aimé, du coup, comment Bloodborne, qui est aujourd'hui un de mes jeux préférés, j'ai tellement aimé Sekiro, mais c'était tellement des jeux différents et beaucoup plus nerveux, en fait, que là, tomber sur quelque chose de plus lent, de plus médiéval et tout ça, on verra bien. Toujours est-il que, pour avoir une expérience optimale, sachez qu'en parallèle, je lis Berserk, donc là, je vis ma meilleure vie. En fait, en ce moment-là, depuis 2 mois, c'est tous les chefs-d'œuvre de tout. Donc, c'est parfait. Le plaisir est total. Witcher 3 également. Enfin, voilà, c'est les grands moments. Et puis, voilà. Donc, juste petite info importante. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas dit. Alors, pour le live, vous avez, comme je vous l'ai dit, donc un vinyle à gagner, qui est donc ce vinyle qui est juste là. Et sur YouTube, parce que tout le monde doit être content, et parce que aussi, voilà, je veux un truc équitable, vous avez aussi la possibilité de l'avoir. Donc, le sondage est disponible, proposé par les modos sur le live. En fait, vous allez pouvoir faire un pari sur ce qui va se passer donc durant ces premières 2 heures de live. Et pour la VOD sur YouTube, tout simple, vous mettez n'importe quel commentaire, vous mettez, je sais pas moi, Dark Souls, c'est 3 petits points, et vous mettez un truc un peu marrant, un truc un peu con, quoi, ce que vous voulez. Sachant que, en fait, je ferai un bête tirage au sort des commentaires, donc ne commentez pas 1000 fois avec 1000 pseudos différents, ça ne sert à rien. Mais, dans tous les cas, voilà, je ferai un tirage au sort, on va dire d'ici la semaine prochaine, et comme ça après vous recevrez un... Alors ça sera... faudra faire attention par contre, je vais répondre aux commentaires pour être sûr que c'est la bonne personne et avoir ainsi l'adresse mail ou le MP ou ce que vous voulez, donc j'insiste là-dessus, surveillez bien vos mails dans la semaine qui arrive, parce que du coup je pourrais vous dire, genre voilà, vous contacter directement, voilà, et c'est important parce que sinon ça va être la misère et on va pas s'en sortir. Moi de mon côté je peux garder le lien du commentaire, donc je pourrai après le retourner le voir régulièrement le temps que vous répondiez, vous aurez voilà quelques jours pour répondre, et si jamais bah, je remettrai, comment dire, le truc en jeu, on se débrouillera. Allez, c'est parti, c'est bien trop long comme intro, c'est beaucoup trop long, on va attaquer donc une nouvelle partie. Ah oui, en plus, ah oui c'est ça, c'est que non seulement c'est long comme intro, mais en plus on va s'emmerder avec la création du personnage, ça promet. Pour le moment on va garder tout ça à fond. Au niveau des déplacements des combats, je vais découvrir le gameplay avec vous, ce sera très bien. Alors quel est le nom du personnage? On va l'appeler... on va l'appeler Will, sobrement, voilà, tout simplement. Alors, au niveau de la classe, il y a plusieurs classes qui sont dispo dans le jeu, qui vont bouger plein de choses. Je n'y connais rien, vraiment, en termes de build et tout ça, vous allez peut-être hurler. Pour les gens qui sont experts du jeu, vous pourrez éventuellement être mécontent, mais je ne sais pas comment vous avez découvert le jeu de votre côté, et je ne suis pas venu vous faire chier pendant que vous faisiez ça. Donc, je vais le découvrir comme je peux, au mieux. Et donc, ouais, la classe qui me branchait bien, c'était le bandit, parce qu'on démarre avec une hache, et j'avoue que la hache, ça me branche bien, pour changer un peu de mes habitudes épéistes et tout ça, donc voilà, histoire de tester un peu d'autres choses. Après, j'ai aucune idée du don que je récupère, alors soit je prends un truc nul, genre l'anneau sorcière, soit je peux monter un petit peu les PV, mais je pense pas que ça m'intéresse trop... Le pendentif, éventuellement. Est-ce que je prends le pendentif ou l'anneau sorcière? En fait, j'ai l'impression que les deux n'ont aucun intérêt. Alors, le seul backseat que je vais vous demander aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y en a un des deux qui active une quête? Parce que mon objectif, c'est de faire tous les boss. J'aimerais vraiment faire tous les boss. Et c'est le seul truc pour lequel les modos pourront un peu me spoiler, me dire attention, là, si tu fais pas ça maintenant, tel boss, tu pourras pas le faire. Parce que j'aimerais qu'on fasse le truc parfait, quoi. Donc, ça ne change rien. Le passe-partout, mais le passe-partout, ça cheat parce que ça ouvre les serrures. Et donc, je préfère le récupérer plus tard. Sinon, je vais me déglinguer tout, quoi. Alors, l'anneau de sorcière, c'est pour le lore. Le pendentif ne sert à rien. D'accord. Donc, ce sera l'anneau de sorcière. Très bien. Alors, physique. Un truc...
Attends, il n'y a pas le buste musclé. Voilà, le buste musclé de Geralt de Rive. Avec un boule à toute épreuve. J'ai jamais vu autant de gens emballés par le popotin d'un acteur que pour The Witcher, la série. Les gens sont à balle, mais vraiment à balle. Alors, voilà, alors c'est vrai que j'avais oublié le style du jeu qui était, somme toute... Enfin, tu sens que c'est pas là qu'ils mettent leur bille, quoi. C'est pas la partie où le, où le jeu est le plus beau. On va mettre Bleu Nuit, voilà, je suis dark. Appelez-moi Sasuke. Allez, je lance, c'est parti. In the age of ancients, the world was unformed. Shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy. So easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light. But only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. On joue à Elden Ring? Le mec qui comprend rien. Putain, oh, ils avaient un budget des intros violent quand même. Hein. Impressionnant. Quand tu te dis, bon, en plus, pour l'époque, c'est sorti. Enfin, c'est. Ouais, c'est assez bluffant. Surtout que c'était pas la grosse licence que c'est aujourd'hui, quoi, à l'époque. Donc, vraiment, yes, beau budget. Indeed. The dark sign brands the undead. And in this land. The undead are corralled and led to the north.
where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Ok, et ainsi démarre pour de bon l'aventure. Juste parenthèse, mais un merci infini absolument à Raelson, à Thorse Parker, mais aussi à Yetlandir, à Misret, à John Leroux, à Neferos, à Geeks, à Superlogon, Superlogon, pardon, mais aussi Lily Tigress et aussi Blegola. Merci beaucoup. Alors, un compteur de morts officiel oui, bien sûr, mais on comptera les morts ensemble, ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y aura moins de 2 morts, c'est sûr. Alors, clé des oubliettes, très bien. Ah oui, là, on voit des messages. Prisonnier, Eval 40, je ne sais pas ce que ça veut dire. Chagrin, préparez-vous. D'accord, oui, c'est le fameux système de messages que l'on peut se laisser. Alors, il va falloir me laisser un tout petit peu de temps pour me faire au gameplay, par contre, parce que là, je... Ah, c'est mon épée, d'accord. Je me suis dit, je vais sortir mon arme. Ça va bien se passer. Non, pas du tout. Super. J'ai hâte. Mais ouais, l'intro de départ était violente. Merci, Geeks. Merci, Spotty. Merci. Bon, on va jouer tout doux. Donc il y a quelqu'un qui me demandait sur le chat là, où est-ce que j'étais arrivé la première fois. Je pense qu'il faisait référence à Dark Souls 3 que j'avais effectivement démarré, j'avais fait juste un boss et demi à peu près. Mais celui-ci, je n'y ai jamais joué. D'où le fait que j'y aille aussi lentement. Plus d'endurance. Ah, ça promet. Bon, je vais peut-être pas le taper, il a l'air gentil. Attaque puissante, d'accord. D'accord, ok. Alors, démonstration. Comment ça, ça? Attends, mais... Hey! Mais non. Alors, je peux sprinter, très bien. Alors, ça, c'est la parade, j'imagine. Et ça, c'est quoi? Ah oui, mais ça, c'est quand j'aurai peut-être le bouclier pour plus tard. Mais ça, c'est la parade, ouais. Le mur a rien demandé. Non mais je sais, mais... le Google Form se ferme, Loifel, au moment... Donc c'est pour le fameux pari. Au moment où j'entre dans la salle du premier boss. Parce qu'après, du coup, vous avez déjà une réponse. Alors, verrouiller une cible. Très bien. Donc ça, c'est bon. On l'a bien vu. Je suis désolé, je joue très lentement parce que j'ai promis que je mourrai peu. Toucher la tache de sang. Ah oui, d'accord. Et tu vois comment il est mort. Ah, donc ça, c'est quelqu'un qui s'est fait éclater par cet ennemi-là. Ça va être dur. ça va être chaud. Oh la vache. Ah, c'est pas Bloodborne, hein. Ça change un peu. Ça change légèrement du style, quoi. On va découvrir un plaisir nouveau. C'est pas grave. Bon, alors j'imagine qu'on est invulnérable pendant l'esquive dans ce jeu. Repos près du feu, rétablissement. Ah. Le premier feu. Le feu a été allumé. Alors. Ah. Embrasé. D'accord. Alors, le truc que. Par contre, je suis désolé, mais il me semblait qu'il y avait le backstab dans le jeu avec R2 resté appuyé, ou RT. Ça n'a pas l'air d'être trop le cas là. Donc on va voir. En tout cas, vous êtes très nombreux. Merci beaucoup à vous. Ah, beaucoup de morts ici. Ah, mais oui, mais ça je. Alors, bon, désolé, c'est le seul truc où je me suis fait un peu spoiler. Il me semble que MV a tué un boss ici. Enfin, il s'est fait tuer par un boss avant, mais oui. Il y avait un truc. Voilà. Tout va bien. Je ne suis pas mort.
J'ai pas d'arme donc Ok. Et j'ai dit que j'avais vu le début de l'aventure de MV, ce qui m'avait décidé finalement à jouer au jeu. Récupérez votre bouclier. Bah oui, mais j'aimerais bien, mais. Ah! Bah oui, Milou. Ah oui, c'est lent. Oh, ça va être chaud. Ok, bouclier araignée, très bien. Changer l'équipement. Oh là là, mon dieu. Il va tellement falloir que je m'y fasse. Ah, je vous le dis d'avance, ça va être chaud. Ça va être chaud. Lire le message. Alors, la garde, c'est LB. Et ouvrir le menu, d'accord. Alors, est-ce que ça marche, ça? Oh, la flèche qui va au ralenti, trop stylé. C'est une connerie, ça. C'est une connerie, il y a une boule qui va tomber ou un truc comme ça qui va me tuer, je le sens. Ah, l'âge de guerre, parfait. Sélection des armes. Bien sûr. Voilà, donc là déjà je suis équipé avec des vraies armes, ce qui va changer beaucoup de choses. Mais je n'ai pas encore d'armure. Alors ça fonctionne. Ce qui est déjà une bonne chose. Attends, what? Je démarre de suite le combat là? Attends, le premier boss c'est maintenant? Est-ce que je peux casser des trucs comme ça? Non. Par contre, mon endurance elle prend cher. Attends, déjà? What? Je peux casser ça, non? Mais il y a une armure de ouf derrière! Ok. Ok. On va y aller doucement. Oh, le système de saut qui a l'air jouissif. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air absolument incroyable. Ouais, alors bon, on est d'accord qu'il y a une gruge là. Oh, pff, allez, vas-y. C'est pas possible, je peux pas cheese le jeu 0 sur 20. Surcoté de ouf. Je découvre pour de vrai, hein, je vous avais prévenu. Bien sûr, après on roulera sur le jeu, on le fera en SL1, tout ça. Vous noterez que je n'ai pas encore d'objet de soin. Ah oui, d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ah d'accord. Ah oui, c'est effectivement mon armure, ouais. Ok, très bien. Je déteste ça. On a rien vu. Ah, ça va être chaud. Ok. Je vais me soigner, hein, je reviens. Je vais m'entraîner au contre. Ça sera très bien. Bon, déjà là on voit tout le génie bien sûr de Dark Souls, hein, qui nous propose dès son lancement un raccourci d'un grand niveau. Bon, il va falloir que je me chope le timing des contres par contre, parce que ça va me gêner sinon. Il a pas la boule, non, c'est bon. Voilà. J'ai. Ok. Comment ça verrouiller? Attends, j'ai fait tout ça pour ça? Je peux casser ça, non? Non. Je vois que tout le monde a été saucé par la parade. Je sentais que la parade, ça allait vous plaire. Ah, mais oui, bien sûr. Oh, you. You're no Hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Quel choix je dois faire pour faire tous les boss? J'ai trop peur de faire un truc, le moindre truc qui me dit non, ben voilà, le boss, là c'est mort, c'est fini. Ça va être compliqué. J'attends mes modos. Non, mais à vrai, peut-être que ça change rien en fait. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit.
There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now si on met non, ça termine le jeu, je pense. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. Les fioles d'Estus. An Estus flask. Une la favorite. Oh, les salons. Ah si, quand même. Oh, ah, 5. Waouh. Mais il est facile, ce jeu. Incroyable. Avec une clé mort-vivant. Alors, robot près du feu, rechargeant de la fiole d'Estus. I hate to harm you after death. So go now. And thank you. Mais de rien. Utilisez objet. Ah, d'accord, si je fais X, ça fait ça. Très bien. Jusque-là, pas de problème. Manier arme droite à deux mains. Ah! Mais attends, mais si je fais ça, du coup. Ah, j'ai plus le pari par contre si je fais ça. Le pari c'est qu'au bouclier. Frapper, attaque plongeante. Ah, attaque plongeante, c'est un signe ça. Le repos près du feu ravive les ennemis, bien sûr. Ah, ça y est, on y arrive. Alors, si jamais je pouvais jouer comme ça, mais ça me branche pas, vous savez que c'est pas mon délire. Oh, bon endu! What? Mais qui a trouvé ça judicieux? Ouf. Ah ouais, l'endurance, ça va être compliqué de ouf. Parce que du coup, chaque coup m'enlève 1000 barres d'endurance, quoi. Bon, par contre, ça, c'est stylé. Premier jeu que je fais avec un bouclier, mais non, rien. Parce que j'ai fait Sekiro et Bloodborne. Alors, RB derrière un ennemi, coup critique. Ah, c'est RB? Mais non, y'a pas d'attaque chargée à faire. RB après parade, riposte. D'accord. Ah, toi, je te sens pas du tout. Y'a tant de morts à côté de toi. Je le sens pas. Bon, faut bien tenter, mais je sens pas. Ça peut être la première mort. Fait tellement mal. Bon. Il y a eu quelques morts par ici. Comment ça verrouillé? Ah, je pensais que c'était un raccourci, moi. Ok. Changer. Ah, d'accord. Parce qu'il y a plusieurs trucs. Ok. Bon, là vous avez tous compris. What? Ok, alors, il tire vertical. Donc là, plus possibilité de voter hein, pour le... Fin des votes. Pour le pari. Ah, c'est lent. Ah, c'est lent. Ça va être chaud. Ça va être bien, ceci. Ça va être posé. Et le coup critique, il est où, là? D'accord, c'est vraiment coup par coup quoi, tu... Fais pas le Mario avec ça. Allez viens là, petit démon du refuge, je suis prêt. Ah, par contre, quoi. Bon ça va, il est cool.
Par contre, il est stylé. Il a un look de de méchant de Power Ranger, il est incroyable. Pas de grid. J'avais dit pas de grid, fallait pas. Le truc c'est que j'ai aucune idée de combien de dégâts il peut me faire, donc je vais carry avec le soin. Calme. Bon, de face, ça a l'air d'une vraie connerie. Merci Link, merci Quarks, merci Ganon, merci à Nico, merci beaucoup. Alors, j'imagine qu'un mob comme ça, je peux pas lui faire un pari dans la gueule, sinon ce serait trop beau. Allez, bam. Bon, ça, c'était plutôt... Il ne compte pas vraiment. C'est un gentil mob. Humanité. Alors par contre, on est d'accord qu'il me manque un objet là. Le son du jeu était peut-être un peu fort par contre. Alors attendez, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Je vais bien sûr y aller avec plaisir, hein, c'est pas le problème. Le son était nickel, d'accord, ok. Bon, bah, je remonte le son. Comment on va là-haut? C'est ça mon problème. Putain, je croyais que j'étais suivi, en fait, c'était mes propres pas, quoi. Parce que là, je viens de là, on est d'accord. Là, y a pas de porte ou truc comme ça. Ah, on peut pas encore, d'accord, ok, bon, ça va. Bon, alors, attendez, juste recharger ça. Non, c'est pas la bonne touche. Grave. Donc ça, oui, c'était le premier boss dont on parlait. Maintenant c'est le prochain pour le pari là, pour gagner le vinyle, je rappelle, donc c'est l'idée, hein. C'est est-ce que je first try ou pas le deuxième boss. Et là à mon avis ça va être plus chaud. Ça va être beaucoup plus chaud. Et combien de morts au bout de 2 heures? Alors j'ai pas vu le début du... Ah merde, j'ai pas vu à quelle heure... Attends, du coup ça fait combien de temps qu'on est dessus? Je peux vous dire exactement, ça fait 27 minutes. Je vous laisse compter pour l'heure exacte de c'est quand 2 heures. Je regarde, hein, des fois qu'il y a des secrets ou des trucs comme ça à choper. Sans le ciné, ça. Oui. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. To the land of the ancient lords. Lordran. J'avoue, l'univers a l'air insane, ça a l'air tellement bien. Ah, très bien ça. Et donc nous voici à Lordran. Mais bon, j'espère qu'à un moment on pourra revenir dans la zone de départ du coup, parce que ça, sinon c'est compliqué. Alors, juste un truc par contre, je suis désolé, hein, je découvre le jeu et je veux le découvrir en mode vraiment tranquille, mais... Ah oui, c'est ça, les morts-vivants adorent ces fioles vertes, à recharger près d'un feu. Une fiole vert émeraude, un don de l'âme de la gardienne. Elle vit pour protéger la flamme et meurt pour elle s'il le faut. Donc ça ok, un petit esprit noir trouvé permet de gagner un point d'humanité et de récupérer de nombreux PV. On nomme ce petit esprit humanité, mais on sait peu de choses de sa vraie nature homunculus. Si l'âme est source de vie, comment définir spécifiquement l'humanité? La mort déclenche la marque sombre, celle-ci renvoyant au dernier feu utilisé et provoquant la perte de l'humanité, d'accord. Alors juste pour regarder aussi vite fait, sans dire un mot, un mystérieux chevalier jeté au fond d'une cellule un cadavre porteur de cette clé. Qui était ce chevalier? Quelles étaient ses intentions?
Ces questions ont-elles seulement des réponses? Le refuge des morts-vivants est une prison gigantesque dont les sections sont séparées par des barrières de fer. Même s'il parvient à quitter la cellule, il est très difficile pour un mort-vivant de rejoindre le monde extérieur. Ok. Et enfin... cette poignée de cette épée a été trouvée abandonnée au refuge des morts-vivants. Guerre plus efficace qu'une paire de... ok, bon, on s'en fout. Âge de guerre standard efficace dans de nombreuses situations. Pas d'infos sur le lore là-dessus. Ok. Offre de protection contre le soleil, la poussière et le sable. D'accord. Et un autre sorcier, une gravure représentant une langue inhumaine court le long de l'anneau, mais ne semble pas détenir, de pouvoir particulier. Ok. Allez, c'est bon. Désolé, c'était le moment lecture, mais c'est important. Ah, niveau supérieur, ça y est, on y arrive. Embrasé. Redevenir humain? J'ose faire aucun des deux, j'ai peur que ça compte comme une mort. Ah, par contre, j'ai des âmes. Alors, là, on est d'accord que... vu que j'ai un build de hache en tête, mais que je ne connais rien du jeu, du coup, on va miser sur des trucs simples. C'est-à-dire que là, l'endu, j'ai l'impression que ça va être vraiment mon problème, donc... on va faire ça comme ça pour le moment. Je peux pas faire d'erreur en misant sur la force, de toute façon. La hache, c'est pas la dexte, c'est la force. Donc, point barre. Regardez ici, parlez. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Juste parenthèse, mais merci infiniment à Captain Xandar, à Tiger, à Popples, à Odelry également, à Tanin, à Mr. Tunker, à Painwinter et à Vaitre, à Mesigomar et Link et Quarks et Benon et tout le monde. Merci beaucoup, merci à CP Dranak également, à Spotty, merci infiniment à tous. Il y a quelque chose qui m'inquiète par contre, je suis désolé, je vais être un peu con, mais pourquoi j'ai 10 fioles d'Estus? Est-ce que c'est de connerie? 10 fioles d'Estus? Merci Arnaud également. Waouh, Arnaud qui a offert un monstre, Arnaud, merci beaucoup, merci. 10 fioles d'Estus, c'est normal? D'accord, ok. C'est ouf. C'est le moment où le jeu est gentil. D'accord, bon, bah, très bien. Bon. On est d'accord, il y a un truc là. Il y a un cadavre qui est posé là, t'as un objet, et le puits a un fond, on l'aperçoit. C'est sûr. C'est sûr. Si on répond, on spoil. D'accord, non, mais ne répondez pas, ne répondez pas. Non, mais parce que là, par exemple, tu te dis, en toute simplicité, là, tu vois. Ah non, je peux pas. Ah si, voilà, je peux ça. Et là, tu fais un truc comme ça et tu fais ça. Mais je suis sûr que ça passe. Je suis sûr que ça passe. Je vais pas le faire parce que je veux pas. Voilà, je peux mourir bêtement, mais sûr, ça passe. Bon, alors attention, parce que là, faut jouer tout doux. À partir de là, je peux mourir n'importe quoi. Alors, une bombe incendiaire, très bien. Alors, une bombe incendiaire qu'on va claquer... Non, pas utiliser. Si. Mais non! Mais non mais... Je ne dirai rien. Et comment je fais pour changer de... d'objet? Bon, c'est pas grave. De toute façon, je m'en servirai pas avant d'arriver sur un boss, donc ça ne change rien. Ah, donc là, je peux pas nager, j'imagine. C'est un piège, je peux pas nager, enfin, je veux dire, je... Attends. J'ose pas, j'ai pas envie de crever bêtement. Ah oui, d'accord, ok, merci beaucoup. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thuraland.
Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Ok. Mourir abattement, c'est la base du jeu, c'est vrai. Oh, cette endurance, ça va être tellement dur à gérer au début. Mon dieu. Je ferai au mieux, hein, mais c'est vrai que je... Dans Bloodborne, c'est plus gentil que ça, quoi. On voyait les aides, hein. Alors, juste, par contre, désolé encore une fois, mais mon petit doigt me dit que... Ouais, c'était un cran trop lumineux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, âme d'un mort vivant. Ah d'accord, donc là, c'est les fameuses âmes que je pourrais récupérer. Bon, là, évidemment, il y a le raccourci du speedrun, hein. Tout le monde l'a vu, vous l'avez vu, je l'ai vu. Tu fais ça. Voilà. C'était très con ce que je viens de faire. Ou pas. Alors, orbe œil rouge fissuré. Masse d'armes et talisman. Et os de retour. Alors par contre, il y a juste un truc, c'est que... Envahir un autre monde. Ah d'accord, c'est ça le fameux truc. Renvoie au dernier feu de repos. Et le dernier que j'ai eu, j'ai pu... Ah si, c'était le talisman que j'ai obtenu. Alors c'est là-dedans. Mais comment est-ce que je l'équipe par contre? Ça va être là-dedans? Non? Ah c'est ça? Talisman? Ou masse d'armes? Ah mais qui m'intéresse pas trop au niveau des dégâts. Ok. Bon, soit. Par contre, du coup, on est d'accord que je suis bloqué là. Ah non, non, pas du tout. Ah oui, mais c'est du génie. Ok. Talisman de Lloyd. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, enfin ? On regarde, hein. Pas de récupération d'astuces dans la zone, très bien. Alors, il y a eu beaucoup de morts ici. Je remonte juste pour... Je me fais ouvrir par ça. Ça a l'air chaud de ouf. Waouh ! Ok. Ils ont trop de vie. Putain. D'accord, ok. Donc, j'ai fait une petite grue, je suis content, mais on va suivre le chemin normal. On va suivre le chemin normal, juste on sait que là, il y a un raccourci et que c'est cool, ouais. Le plâtre. Non, mais attendez, je suis pas speedrunner, hein, on fait les trucs tranquilles. Hein. Mais bon, on sait qu'il y a un raccourci, et d'ailleurs, il y a un autre chemin que je pouvais faire et je ferai plus tard. Pas de lumière. Ah merde! Ah mais je suis deg! C'était ça la suite? Ah mais c'est... Ah mais c'est chaud! Ah mais c'est chaud de ouf! D'accord, ok. Ah oui, ça déconne de ouf en fait. D'accord, moi je m'attendais à ce que ce soit pas si dur que ça. Mais je fais pas de dégâts! Je fais pas de dégâts de ouf. Non, j'avais dit que je voulais pas rester au bouclier. Oh, je vais mourir. Et je vais pas mourir comme ça. D'ailleurs, des questions, je meurs comme ça. Calme-toi. 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 Non, mais non, je vais pas mourir comme ça. Mais non. Mais non, petit. Mais non. Mais non, mais arrêtez. Mais c'est quoi ce niveau de merde? Mais c'est quoi ce scaling de ouf?
À quel moment? Oh putain! Oh putain! Laissez-moi fuir! Attends, attends, calmons-nous, calmons-nous. Il faut que je ressente mon... Attends, je recentre mes esprits. Je recentre mes esprits, tout va bien. Ok. Tout va bien se passer. Petite courbe de difficulté, ah mais j'avoue, putain, j'étais pas prêt. Mais c'est vraiment si dur que ça? C'est vraiment si dur que ça? Mais sérieusement, t'as vu la vie que je prends? What the fuck? Ah ouais, j'avoue, c'est chaud de ouf! Je m'attendais vraiment pas à ça! Ok, bon bah on va apprendre le jeu. Hein. C'est parti du truc. On va y aller zen, hein. On va y aller zen, c'est pas grave. Alors, on n'est pas parti du bon pied. Après, faut garder en tête aussi que je peux faire le backstab, j'imagine quand même. Je vais déjà essayer d'en tuer un, ce sera un bon début. Bon, ça ok, j'apprends déjà que quand je me bats contre eux, quand ils tombent, première victime, incroyable. Esquive. Fouah le... Le temps de prépa est tellement long. Ah ouais, c'est dur. Oh, la vache. Sérieusement? C'est ça Dark Souls? Mais je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Là, je me prends un coup au moral de ouf. Oh la vache. Oh la vache. Ah merde, je peux passer. Bon alors, attends. Non mais j'ai pas... Non mais je peux me retaper. Non mais si, j'ai pas de fiole, j'ai rien. Non mais non, c'est bon, j'ai tué les deux petits. Le costaud, je suis pas obligé de l'affronter, je m'en fous. Donc les deux petits qui étaient sur le chemin, c'était bon. Mais j'imagine quand tu connais pas ni From Software ni les licences, tu dis oh putain trop cool un chevalier, ah oh, vas-y je vais tenter. Ah tu te fais rosser quoi. Ok, alors c'est parti. Alors je sais que j'ai récupéré les bombes qui vont... Tout le monde est passé par là, bah ouais tu m'étonnes. Bon je vais faire quelque chose de pas très sport. Quoi? Ouais faut fuir c'est pas possible. Je ne peux pas admettre que c'est si dur que ça dès le début. Pour moi le cimetière tu t'y bats pas en fait. Oh merde. Ok. Merde. Bon là je vais me faire one shot. Ouais.
Merde. Merde. Non. Et j'ai encore une fiole. J'ai plus de fiole. Allez. Ça va le faire. Ça va le faire. Oh le respect! Oh le respect! Wow! Wow! Oh putain de mercredi! Ok, donc là il m'a montré comment on faisait effectivement. Très bien! Alors ce qu'on va faire, pour les personnes qui voient ça en live, on va continuer bien sûr pour les gens qui sont sur la VOD. Je pense que cette première mort est parfaite, absolument parfaite pour faire une première conclusion et se dire je vais en chier, je vais vraiment en chier de ouf, mais de ouf. Est-ce que je vais y arriver? Eh bien ça vous le saurez dans la prochaine VOD. Voilà, ce sera ça le cliffhanger. Je reviens à tout de suite.